Donc c'est parti, je vous montre tout ça, point par point, avec les tablatures. Pour découvrir d'autres morceaux faciles pour bien apprendre la guitare, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et à télécharger notre e-book gratuit. Donc première phrase, on va commencer par jouer la corde numéro 2 à vide. Puis, immédiatement, la corde numéro 1 à vide également. Voilà, donc corde 2, corde 1. Immédiatement après, on a une technique assez intéressante. On va mettre son index en case 2 de la corde 1, on appuie fort, et on met également son majeur en case 3. On appuie fort sur les deux cases en même temps, sur la même corde. Donc on va d'abord entendre la note qui est jouée par le majeur, parce que c'est celui qui est le plus loin sur le manche, évidemment. Il cache la note que devrait jouer l'index. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sonner la corde, et retirer rapidement son majeur en tirant légèrement la corde vers le bas. Enfin, là, je l'ai fait un petit peu trop exprès. Mais vous tirez un petit peu la corde vers le bas. Et si vous appuyez assez fort avec l'index derrière, en fait, vous allez d'abord entendre la case 3, puis la case 2. Donc, entraînez-vous. C'est ce qu'on appelle la technique du pull off en anglais. Ça veut dire retirer son doigt. Donc, index en case 2, on appuie fort. Majeur en case 3, on appuie fort. Donc jusqu'ici. Puis on rejoue la corde à vide. Ok. Puis on va jouer la case numéro 7, si possible avec l'annulaire. Donc toujours sur la corde 1, case numéro 7. Puis la case numéro 5 avec l'index. Jusqu'ici. On enchaîne avec la case numéro 2. Puis on reprend la phrase du début. 0. 3-2 avec la même technique. Et cette fois-ci, on va jouer sur la corde numéro 2, 4-6. Et 0, toujours sur la corde numéro 2. Donc voici pour la première phrase, je la refais tout doucement. On passe à la phrase numéro 2. Le début est identique. Donc jusque-là, il n'y a rien qui change par rapport à la phrase numéro 1. On fait encore. On va toujours en case 7. Mais au lieu de descendre, on va monter et si possible mettre son annulaire ou son petit doigt en case 10. Donc là, on va faire 7, 10. Je vous conseille l'annulaire parce qu'en fait, on va faire ce qu'on appelle un chromatisme. On va jouer plusieurs cases d'affilée comme ceci. Donc vous voyez sur la tablature, on fait 10, 9, 8. Et si vous voulez le faire dans les règles de l'art, vous essayez d'utiliser trois doigts différents. Annulaire, majeur, index. Je refais ça en entier. 7 avec l'index, 10 avec l'annulaire, 9, 8. On marque une pause et en fait on va refaire le même mouvement à partir de la case 8. Donc on met l'annulaire en case 8, 8, 7, 6, et là ça va un petit peu plus vite. Puis la corde 2 à vide. Et enfin, sur la corde 1, 3-0. Donc le passage intéressant, c'est vraiment ceci. Ça va assez vite, donc allez-y tout doucement. 10, 9, 8. On change de doigt, c'est très important.
8, 7, 6, et enfin, la corde 2 est vide. Puis on finit par la corde 1, 3, 0. Je refais toute la phrase tranquillement. On peut passer à la troisième phrase, là c'est le vrai thème, le thème principal du morceau, qui apparaît. Donc cette fois-ci, on va commencer différemment, on va jouer d'abord avec le majeur, la case numéro 8 sur la corde numéro 2. Puis avec l'index, la corde numéro 1 en case 7. Et si vous voulez, la première note, vous pouvez l'amorcer par un petit slide de la case 7 à la case 8, c'est-à-dire qu'on va faire comme ceci. Si vous avez envie, c'est un effet de style assez sympa. C'est-à-dire qu'on écrase d'abord avec le majeur la case numéro 7 de la corde 2 et immédiatement, dès qu'on tape, on glisse d'une case en continuant d'appuyer. Voilà. Mais dans le fond, on fait simplement, une fois qu'on a les doigts en case 7 et 8, index et majeur, on fait les cordes 2, 1, 2, 1. Puis on retape la corde numéro 2. Et là, on va refaire un chromatisme. La même technique que tout à l'heure, on va faire 8, 7, 6. Avec annulaire, majeur et index. Enfin, on reprend les cases 7 et 8. On va refaire la même technique que sur le 3-2, mais cette fois-ci, sur les cases 7 et 6. C'est ce qu'on appelle un pull-off. Donc on écrase la case numéro 6 avec l'index, la 7 avec le majeur. On tape la corde numéro 2 à vide. On tape la corde numéro 2 en case 8 avec le majeur. Et pour finir, la phrase, la dernière note, c'est la case numéro 7 de la corde 1. Je refais ça doucement parce que ça va assez vite. Un peu plus vite. Et voilà pour cette phrase numéro 3. On passe maintenant à la dernière phrase, la phrase numéro 4. Elle commence de la même manière. Donc vous faites les 5 premières notes identiquement à la phrase numéro 3, c'est-à-dire qu'on met son majeur en corde 2, case 8. Son index encore de 1 case 7 et on fait 2, 1, 2, 1, 2. Et là, pour finir le thème, on va finir comme la phrase numéro 2. On va faire 10, 9, 8, 8, 7, 6, corde 2 à vide, 3, 0. Donc vous connaissez déjà la fin, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je vous refais la phrase tout doucement. On change de doigt. Et voilà pour ce petit thème en 4 phrases. Maintenant, je peux vous rejouer le thème en entier avec la boucle d'accords que j'ai retrouvée moi-même, c'est assez rigolo à jouer. Thank you.
Et voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo sur le thème d'Harry Potter. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour vous prendre pour un sorcier de la guitare. Et je vous laisse apprendre ça avec les tablatures. Amusez-vous bien. À plus.